Salut à tous, c'est Kevlar830. On se retrouve aujourd'hui pour le 9e épisode de The Last of Us sur PS3. Donc voilà, je vous avais laissé ici juste après avoir fouillé le petit bar dans lequel on s'est réfugié. Juste pour vous situer temporellement, nous sommes le 29 du 3 2016 aujourd'hui. Au moment où je tourne l'épisode, je veux dire, pas dans le jeu évidemment. Dans le jeu, je sais plus dans quelle année on est. Mais bref. Nous revoilà donc ici. On venait de découvrir un manuel qui nous faisait en sorte que. Regardez. Le surin a deux crans de vie maintenant. Je vous le rappelle parce que, Mais allez, je évidemment, tire un j'ai coup fait une d'œil. petite J'ai pause besoin de rien là-dedans. d'un jour ou deux entre les deux Vas-y, sessions, prends ton entre temps. l'épisode précédent et celui-ci, je veux dire. Merci. Donc, notre chasseur. Nous allons voir un peu ce qui se passe par ici. J'ai vu un groupe de chasseurs s'approcher dangereusement de la ville. Heureusement, une meute d'infectés les a chassés. Rappel. Poser plus de panneaux d'avertissement, montrer qu'on ne rigole pas. C'est qui? On. T'es tout seul, Bill. Ah tiens, des médocs. Parfait. Et ça, c'est des médocs? Ah non. Peux crafter des choses. Non. Ça a demi quand même. Allez. Tant pis. On a encore un lien au pire. Voilà. Et ça nous fait 2 sur 1 au moins, c'est bien. Quel pétrin tu t'es trouvé? Et où est passé Tess? C'est juste un boulot, une livraison. Ah ouais. C'est quoi le colis? Oh, cette gamine? Ha ha, je vous emmerde. J'espère que tu sais ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il est? Non mais c'est quoi ce type? Alors on va où, Bill? Mon autre plan. Plutôt un gendarmerie. Attendez, je croyais qu'on réparait une voiture. Tu sais réparer une... Bill, laisse-la. Je te l'ai dit, j'ai besoin d'un truc qui est à l'opposé de la ville. Un point où je ne mets jamais les pieds. Ça compte infecté. Donc il faut plus d'armes. Ok. C'est cool, j'aime bien les armes. J'adore les armes. Les armes, c'est mon dada. Par contre, j'aime bien fouiller aussi. Fouiller, ça, c'est mon dada aussi. Ellie, allez, arrêtez dans le chemin partout, c'est chiant. Ouh, une batte de baseball. Ça a 6 points de vie et mon machin en a... Je crois qu'il en a 8. Non, c'est bon. Yeah, full life, merci. Alors, j'ai remarqué dans l'épisode précédent qu'il y avait un tout petit peu d'écho. Parfois dans les scènes de fight, etc. Donc, je suis vraiment désolé pour ça. Je sais pas comment faire mieux en fait. Je ne sais pas jouer directement sur dans le programme avec lequel j'enregistre, il y a un peu de décalage. Donc ce serait pas viable. Il y en a un à l'intérieur. J'avais prévu de nettoyer ça. Voilà, si c'est rien. Au fait, tu n'as pas répondu. Allez, vous êtes assez parables tous les deux. Elle est occupée. Ouais, c'est ça, occupé. J'ai l'impression qu'il y a de l'eau dans le gaz. Ouais, un truc comme ça. Ah, oh, oui. Pas mal le piège. Bon. Vous réparez pas l'une de ces voitures. Ma parole, t'es un petit génie, toi. Dire que pendant tout ce temps, j'ai jamais eu l'idée d'en réparer une. Ok, arrêtez vos conneries. Les pneus sont pourris et les batteries sont HS. Ah. Vous avez fini? Je me demande à quoi ressemble l'intérieur d'un bloc moteur. Seule l'armée fabrique des batteries de bagnole neuve. Bordel! Ta mère. Ah. Ah.
D'accord. C'était sympa. C'est pas le moment, mais c'est pas grave. Allez, lâche-moi, 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 lâche-moi la grappe. Éliminer le claqueur pour éliminer les munitions. Attends, d'accord. Lui, il a dit. C'est un PNJ, il est fait en scénario. Oh non! Pas moi, par contre. Bon. Il faudra que tu vérifies les barricades. Voilà ce qui arrive quand on fait pas gaffe aux petits détails. Tu sais ce qui t'attend? Il faudra récupérer le matos dans l'entrepôt ouais, et l'emmener jusqu'à la barrière. Encore. Ça va te prendre. Bill? Joël? Par là. Allez. Ok, il est un peu bizarre, hein. Je pense que la solitude de... Mais... Enfin, ne le rend pas très... efficace, on va dire. Enfin, si, peut-être, mais justement... Comment dire... Ah, j'arrive pas à parler! Le rend bizarre, voilà. Je fouille. Je m'en mets plein les fouilles. T'aurais pu choisir un autre endroit où cracher. Tu sais, ces trucs sont horribles, mais au moins ils sont prévisibles. C'est les gens normaux qui me foutent les jetons. T'es bien placé pour comprendre ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? Rien. Oula, rien. Il sort son gun. Tu crois que cette porte va les retenir? Ils ont pas la clé, voici. Apparemment, il fallait par en haut, donc du coup, je vais par en bas. Ah non, ici. Ok. Ah, ta mère. Bon. Ce n'est pas grave, tant pis. C'est par où? On y est. C'est au sous-sol. Quoi ça? Hey! Salut! Le mec, il barricade, mais c'est pas encore fini en fait, c'est ça le problème. Toi, tu touches à rien. Tu peux fermer la porte? Une lampe à gaz, on va pétrole. S'équiper. Non. Quoi? J'ai besoin d'une arme. Non, je crois pas. Joël, je peux me défendre toute seule. Non. Écoute, reste là. La 14 ans, je peux comprendre qu'il soit en mode YOLO. De me faire tuer. Alors là, c'est de loin le boulot le plus merdique que t'aies jamais accepté. Il est pas mal. Me dis pas que Tess est d'accord avec cette mission suicide. En fait, c'est son idée. Vraiment? Je pensais que cette gonzesse était plus maligne que ça. Enfin, on s'en fout. Sérieusement, tu dois ramener cette gamine où tu l'as trouvée. Bill, je peux pas la ramener comme ça. Alors dis-lui de se casser et de se démerder. Je vais te raconter une histoire. C'est très longtemps. Je me suis pas mal attaché à quelqu'un. C'était un partenaire. Quelqu'un que je devais protéger. Mais dans ce monde, ce genre de conneries n'apporte qu'une chose. Se faire buter.
Alors tu sais ce que j'ai fait? J'ai bien réfléchi. Et j'ai décidé de rester tout seul. D'accord. C'est pas ça. C'est mon cul. C'est exactement comme ça. Hey! Qu'est-ce que je t'ai dit en descendant les marches? Je t'ai dit quoi? Je range juste votre pile à la con. Tu touches à rien. Eh merde. Continue à jouer les babysitters et tout ça va finir par te péter la gueule. Est-ce qu'on peut juste en finir avec ça? Tiens. Oh, sympa, merci. Petit cadeau de la maison. Nouvelle arme, fusil à pompe. Avant qu'on aille plus loin, j'ai un truc à te montrer. Qu'est-ce que c'est? J'ai un nouveau joujou à te montrer. Ouais, moi je te suis pas. J'ai des choses à fouiller. Ta maison pour commencer. Allez, c'est parti. Ah, c'est l'église, d'accord. Nous sommes donc arrivés enfin à l'église. Bon, cul-de-sac, dommage. Alors. Il n'y a absolument rien à récupérer. Ah. Médicaments, yes. Alcool. Je peux toujours pas. Je me soigne peut-être. Ouais. Vite fait. Hop. C'est quoi, c'est une note? Note bombe. Un groupe de coureurs a déclenché la plupart des bombes au sud de la ville. Il va falloir faire un autre passage. Ne pas oublier de noter les emplacements des bombes sur la carte. D'accord. Calme. Bill. Tu es complètement schizophrène, mon gars. Bon, c'est pas grave. Alors, je redescends. Je vais aller là où on me demande d'aller. Ou alors, je vais d'abord aller là. Ouais. Un bout de bois, parfait. J'adore les bouts de bois. Oh. D'accord, bon. C'est vrai que j'avais vraiment bien aimé la séquence de la petite ville. Ici, cette map-là, je veux dire. Cette mission-là, je veux dire. Bombe à clous. Fais attention avec ça. En explosant, ça déchiquette tous ceux qui sont dans le coin. Ouais, j'ai vu quelques-uns de tes jouets. Pas mal, hein. Ouais. Bombe à clous, mais bon, il y a plus de ciseaux que de clous, mais d'accord. On a des fusils et des bombes. On est censé en faire quoi, au juste? De temps en temps, il y a un convoi militaire qui traverse la ville. Je suppose qu'ils cherchent des provisions. Si vous pouviez voir tous les trucs qu'ils repèrent pas. Enfin bref. Quelques mois en passant, ils se sont fait attaquer par une horde d'infectés. Le camion a été pris d'assaut, et il a fini par se cracher dans le lycée. Il y a encore avec une batterie. Ah. On récupère la batterie et on la met dans l'autre voiture. Bingo! Je voulais la prendre, mais ça m'a semblé risqué avec tous les infectés qui traînent par là. Mais on s'en fout! Joël veut une caisse! Et si elle est bousillée? Non, ces camions sont de vrais tanks. Je suis sûr qu'elle est intacte. Ça pourrait marcher. Alors, dans les faits, je sais pas si ça marche de transférer une batterie de camion à une batterie de voiture, mais bon, pourquoi pas. Ah, de l'engrais. Ah, des liens, ça fait longtemps. Enfin. Donc, on peut crafter ceci maintenant, oui. Cool. C'est quoi qu'il manque là? C'est un quart de machin. Bah écoute, allez, je vais partir. Ça, je récupère ça, voilà. Hop. On reprend le petit pistolet.
Ah, les outils, c'est vrai, les outils de niveau pour pouvoir améliorer les armes. Hop, on récupère tout ce qu'on peut. Parfait. C'est un peu vide niveau sonore là pour le moment, qu'est-ce qui se passe? Ok, voyons ce qu'on a. Alors, étui à arme. J'ai 335 machin. Capacité de chargeur, peut-être pas mal parce qu'il n'y a qu'une balle dans ce truc-là, c'est chiant. Ça, par contre, on s'en fout du chargement, pareil. Capacité de chargeur, je l'ai augmenté une fois, je sais même pas pourquoi, donc non, je pense pas que ce soit nécessaire. Par contre, et tu prends un deuxième pistolet, et tu prends une deuxième arme longue. Allez hop. Je fais ces deux trucs-là. Voilà. Et capacité chargeur. Voilà. Ouais, je peux vendre le truc pour le moment. Ça tiendra. Ça tiendra. Et donc maintenant, comme vous pouvez voir, je peux avoir mon fusil à pompe et mon arc en même temps si je veux. Et mes deux pistolets. Voilà. Ça, c'est parfait. C'est pour switcher plus rapidement. Ah, tous les cafards. Ah, bah, les blattes, mon dieu. Bah, bah, bou, bou. Bon, on a déjà fouillé, donc... Si t'as piqué un truc. Hey, mec. J'ai pas besoin de toi, crois-moi. Ouh. Joël, j'espère que tu surveilles la petite. Je l'ai à l'œil. Ouh. Pardon. Le mensonge, le mensonge. Ouh, la provocation de la fille aussi, sinon. Waouh. C'est sympa chez toi. Si t'as quelque chose à confesser, c'est l'endroit idéal. Allez, rassemblez vos affaires. Ah oui, ok. On va pas faire la fenêtre de l'église comme ça, tranquille. Allez, viens. Là, c'est le lycée. Et là, comme je vous disais, encore une fois, ah, c'est bon. Le lycée là-bas. On verra bien. Et le but maintenant, c'est d'arriver là-bas. Et oui, oui, oui. Hop, plus de batterie. Hop. Il n'y a pas une plante médicinale quelque part. Allez, viens, t'as pas besoin de voir ça. J'ai vu pire. Bah. Ok, comme tu veux. Allez, on se bouge. Tu me diras qu'on va se débarrasser des cadavres un peu, donc. Après cette porte, je serai en terrain connu. Je m'en occupe. Ah oui. Le mec, c'est pas du tout. Hey, vous entendez ça? Silence. Oh putain. Un claqueur. Encore. Je sais pas quoi faire.
Mais prends feu aussi, toi. Voilà. Oui. Je récupère une bouteille. Parfait. T'as vu, mais ça, t'as une marge là. Ah merde, il y en a encore par contre. Ah mais j'aime bien les briques. C'est exactement le même effet qu'une bouteille ou une brique en fait dans le jeu. Que ce soit au niveau du bruit, etc. Mais c'est parce que, je sais pas. Par principe, j'aime bien utiliser une brique, parce que ça fait censé faire plus mal, en théorie. En théorie, j'ai dit. Ça peut la dèche en lien, putain. Je vais vous apprendre à jouer au jeu ou c'est bon? Ça suffit, vous avez. Y a un truc en Alors, faut veille. savoir que j'ai jamais fait cette séquence comme ça, jamais. Je me suis toujours fait repérer au début. Puis après, ils ont tous rushé. Et puis après, YOLO, tout le monde se tirait dessus, c'est la grosse fusillade, etc. Donc, je suis plutôt content. Par contre, pourquoi ce sont tous des claqueurs? C'est chiant ça. Allez, voilà. En même temps, on aide Bill à nettoyer la ville comme ça, c'est Je crois que pratique. c'est bon. Bien joué. Allons-y. On n'est pas encore à l'abri. Hop, une petite plante. Mais mignonne la petite plante là. Non. Attendez, j'ai la clé de cette porte. Il va falloir qu'on soit discret. Doucement, doucement. Ah. Mais putain, il est taré. Il m'entend pas. Il m'entend pas. Pense à fouiller les cadavres. Prends tout ce que tu peux. Ouais. Il me dit ça au moment où il y a des cartouches qui tombent, donc c'est bien fait. Tu déconnes pas à propos de cet endroit, hein? Pourquoi il fait ça? Je sais pas, j'ai envie qu'il l'étrangle, mais il est en mode combat, j'ai l'impression, du coup, il leur éclate la gueule. Un claqueur, évidemment. C'est pas drôle, sinon. Quand il s'énerve comme ça, c'est pas ce qu'il veut.
Ah, j'ai plus de trucs pour faire un pied là-bas. On dirait un mec normal en fait, ça s'abuse. Bon! Mon commentary n'est pas très intéressant aujourd'hui, je suis un peu fatigué, désolé. Et puis c'est un peu la discréciosité et donc la furtivité, vous voyez. Je dis ça évidemment. Non, je l'ai pas loupé celui-là. Je l'ai pas loupé celui-là. Et j'ai un arc aussi, j'oublie ça. Bouge-toi, 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 salope. Que je fais. Nickel. J'ai tiré des flèches. En fait, j'ai voulu faire l'inverse. Appuyer longtemps sur R1 pour charger. En fait, non, c'est il faut faire viser longtemps pour que ça charge. En fait. Ouais, c'est parti, hein! Ça se nettoie, ça se nettoie. Si vous me donniez une arme, je pourrais vous aider à buter ces enfoirés! Ferme, boucle-là! Oh, mais d'ailleurs, des lucioles. C'est juste des collectifs là, ça en fait. C'est pas très très intéressant. Y'a pas de stuff. C'est un peu la best en vrai. Je m'en fous d'avoir un goodie. Quoi. Ben si, c'est cool, mais. Mais voilà. Hop. Hop. Ah. Et voilà. Même une brique, yes. Ouais, bon, ok. Il y a du monde, je vous l'accorde. C'est horrible à viser, c'est pas. Oh mon dieu, l'horreur! Arrête de bouger ta tête, putain de merde! Joli coup.
Et c'est l'horreur cette mission, putain. Je me souvenais que c'était. Ça donnait bien l'ambiance du jeu quand même, mais. Que je la refaisais parfois pour montrer à des gens quand ils venaient chez moi ou quoi, mais. Bim! Voilà. Bon, c'était un peu à la barbare, mais ça passe. Non, ma brique, non. Oh. J'ai perdu ma brique. Ah tiens. Ah des flèches, parfait. Tout pour améliorer nos armes en plus. Parfait, parfait, parfait. Une brique. Ah oui, tiens, je peux aller fouiller ce bâtiment-là aussi. Hop, boum, boum, boum. À moi, c'est à moi. Une tondeuse, peut-être pratique, on sait jamais. LOL. Bon! Ça se nettoie, écoutez, hein. J'ai envie de dire. Ah, une porte à ouvrir, parfait. Par là. C'est bloqué. Et si on passait par là? Quoi, la chatière? C'est toi qui vois, Joël. Bon. Allez, elle nous a déjà ouvert une porte une fois, donc peut-être qu'elle peut être utile, mon petit. Fais très attention. T'inquiète. T'inquiète. Tu lui filais un flingue? Ok, Bill. Il y a d'autres claqueurs à l'intérieur de la maison. Merde. Ils nous ont pas encore repérés. Faites gaffe. Attention. Oh putain, des claqueurs. Ça va être bien ça. Bon, je vous rappelle, ils sont aveugles avec la claqueur. Par contre, il y en a un peu beaucoup pour que je puisse me faire une attaque, je pense. Fait, j'entends pas, j'ai le son tellement bas. Il y a de la musique ou pas, je me demande. Il y a du loot ou pas? Vite. Pas trop de moment de traîner ici, je pense.
Oh oui. Des liens. Parfait. Écoutez, je pense que c'est tout, hein. Là, il y a des trucs à récupérer, des petits écrous. 5 en Ok, c'est parti. Go! J'ai bien pu laisser ça ici. Vous avez des amis en ville? Non. Mais je crois bien savoir qui a pu passer par là. Le lycée est de l'autre côté de la maison. Il faut qu'on entre. Allez, allez. Je fouille un peu et des médocs donc. Ah, nice. 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 Rien de trop. Parfait. Rien non trop, pardon. Mais rien. Ça ne s'ouvre pas. Je crois qu'on est tranquille. J'ai rêvé? Ouais, j'ai rêvé. Dommage. On va tous bien, on avance. Après, si je parle pas beaucoup non plus, il faut se dire que c'est surtout un jeu assez contemplatif pour certaines séquences, donc je vais pas tout le temps tout commenter non plus. Oh, du vin, de la vinasse. Hey, Joël! Ouais. Ah, un sur un tout fait, parfait. Oh, nice. Des munitions et tout. Ah, une lettre. Enfin, un journal. C'est des numéros pour pas d'école, pas de devoir. Ça va très bien. Maintenant que qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps libre? 5 octobre. Maman et papa sont disputés. Ce qui est de suite dans tout le temps, évidemment. Blablabla. Oh, c'est mieux, c'est trop triste. Bon, ils ont pu partir. Pauvre chien gadget, quoi. Rien demandé à personne. On récupère le Viagra du papa pour Hey, pouvoir tu faire veux me des parler trucs. une seconde? Pas maintenant, Ellie. D'accord. Mais moi je voulais bien. Bon bah écoute, si le jeu me dit pas de faire foot, d'accord. Pardon, j'ai pas voulu vous vexer. Ah, des flèches. J'ai besoin d'un coup de main. Ah ouais, t'as donné un coup de main. Bah écoute, on donnera un coup de main au prochain épisode, non? Ça te va? T'as le temps, Bill, non? Oui. Et toi, t'as le temps d'attendre pour qu'on puisse discuter? Pareil, oui. D'accord, bon, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et à commenter. Ça fait toujours plaisir de voir tout cela. Je vous rappelle encore une fois pour la 50e fois, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je le fais quand même. N'hésitez pas à venir sur ma chaîne Twitch si vous voulez me voir jouer en direct, même si pour le moment c'est presque exclusivement, presque, je dis bien exclusivement, du Warframe. Qu'il n'y a pas sur la chaîne YouTube, donc justement, si vous voulez voir un peu un truc différent, n'hésitez pas à venir voir. Et je vous dis à la prochaine pour le 10e épisode de The Last of Us. Ciao, ciao!